Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour toutes mes vidéos les amis. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le cinquième et dernier épisode de notre série What to Zlatan Ibrahimovic les amis. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, bah voilà, c'est le dernier épisode. À la fin on va aller acheter Ibrahimovic. Mais tout d'abord, comme vous voyez à l'écran, donc la qualité d'image est vraiment dégueulasse. Je tiens à m'excuser, j'ai eu un problème d'enregistrement avec mon AverMedia et je ne peux pas modifier l'image parce que sinon bah voilà, je peux pas la modifier. Du coup je suis obligé de vous la laisser comme ça. D'ailleurs je tiens à vous remercier pour les conseils, pour surtout la technique de la touche pour appuyer sur L2 là pour lister plus rapidement. Ça m'a aidé, ça m'a permis que bah voilà pour de lister beaucoup plus rapidement. Donc je vous en remercie de m'avoir dit ça dans les commentaires, ça fait plaisir. Donc en tout cas, comme vous l'avez vu en début de vidéo, vous avez vu une nouvelle intro, l'intro de la communauté sud. Donc tout simplement je voulais remercier cette chaîne communautaire qui a upload, si vous ne le savez pas, quelques-uns de mes abonnés que vous regardez cette vidéo, vous êtes venus grâce à cette chaîne. Donc je voulais le remercier en tout cas d'avoir partagé mes vidéos de cette série sur leur chaîne. Donc pour les remercier, je voulais mettre leur petite intro, faire un petit coup de pub. D'ailleurs n'hésitez pas, je vais mettre le lien de cette chaîne dans la description de ma vidéo, n'hésitez pas à aller la rejoindre. C'est une très bonne chaîne communautaire sur FIFA, donc elle propose que des vidéos FIFA etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ils ont 5500 abonnés, n'hésitez pas à les rejoindre dans la description. Donc en tout cas voilà, je voulais faire passer ce petit message. Donc deuxième message que je vais faire passer les gens, donc comme vous l'avez vu là on va se retrouver, donc on a relisté, je crois qu'on avait acheté 80 joueurs, j'ai fait quelques ventes rapides pour certains joueurs qui partaient pas, et voilà vous pouvez voir à peu près au prix à laquelle les joueurs je les ai revendus, donc pour vous voir le bénéfice que j'ai fait hein, pour arriver quand même à 118 000 crédits. Donc je voulais vous parler, donc vous demander si vous voulez une nouvelle liste, une nouvelle série d'achat-revente. Proposez-moi ça dans les commentaires si vous en voulez une série road to, je sais pas, un boosté, tant que c'est pas un joueur trop cher, au dessus de 300 000 crédits je fais pas, et au moins 50 000, 100 000, donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me proposer ça dans les commentaires si vous voulez un joueur de spécial. Si vous voyez déjà ce commentaire, n'hésitez pas à aller le liker. Donc en tout cas après je voulais vous parler, donc vous avez parlé lors de la dernière vidéo. Donc là j'ai juste avant je vous voyais l'image, donc en fait ce que je vais faire c'est que pour éviter d'avoir Ibrahimovic dans un compte secondaire qui sert strictement à rien, donc tout simplement vu qu'on peut pas plus faire d'autres échanges depuis FIFA 15, et bah je vais tout simplement lister des joueurs à un prix spécial qui permet de les retrouver plus facilement. Par exemple là j'ai les listes au prix de départ à 6400, comme ça permet de les retrouver plus facilement et de pouvoir les revendre. Donc voilà, c'était mon petit conseil hein, n'hésitez pas à faire la même pour transférer vos crédits. Donc du coup je vais pouvoir transférer les crédits, récupérer mon Zlatan sur mon compte principal, ce qui est un peu le but hein, de jouer avec. Donc je voulais en tout cas vous parler de la liste des joueurs. Donc vous avez été nombreux à me demander une liste lors de la dernière vidéo, j'ai pas pu vous la faire, mais sur celle-ci je vous l'ai fait les gars, n'hésitez pas à aller la voir, le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo sur la chaîne communautaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sur ma chaîne, à vous abonner et à tout simplement aller récupérer cette liste qui est vraiment très utile. Il y a plein de joueurs, en plus c'est des joueurs pas très chers, donc ça va vous permettre de débuter l'achat-revente. Et comme vous l'avez vu, en 5 épisodes très rapidement on peut arriver à avoir Ibrahimovic, ce qui est vraiment rapide et vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à récupérer cette liste pour faire de l'achat-revente et faire cette technique fuite millionnaire, ça marche avec cette technique. Donc n'hésitez pas, donc faites là et quand vous regardez mes anciennes vidéos si vous n'avez pas vu, mais cette technique je vous l'explique plus en détail avant, mais n'hésitez pas à aller la voir parce que franchement elle marche parfaitement. Je me suis fait 100 000 crédits très rapidement avec cette technique. Donc en tout cas voilà, je voulais vous remercier aussi pour les 750 abonnés, on a atteint ce cap, donc ce cap ça fait vraiment plaisir les amis. Donc j'aimerais bien, donc je vais vous sortir une vidéo spéciale dans la semaine prochaine je pense, donc j'espère qu'elle va vous plaire, je vais pas dire trop ce que c'est. Donc voilà, j'aimerais bien aller, n'hésitez pas à partager ma chaîne à un maximum de gens si vous aimez bien etc, n'hésitez pas parce que voilà, ce serait bien que j'atteigne, j'aimerais bien passer le cap des 800 abonnés à fin janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre, à partager à vos amis, de bouche à oreille, sur Facebook, sur Twitter, n'importe, ça fait extrêmement plaisir les amis. Donc en tout cas, je voulais vous parler aussi
Donc, des réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre, sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans les descriptions de mes vidéos. C'est vraiment important, comme ça vous pouvez voir mes infos, etc. Ça fait plaisir d'être suivi, les gens. Donc voilà, et puis je voulais vous fixer un petit objectif, les gars. Un petit objectif de 35 likes. J'ai jamais fixé l'objectif sur ma chaîne, et là, pour cette dernière vidéo, comme vous pouvez voir, on va l'avoir, notre petit Alan Imrovitch. On est en train de l'acheter. On appuie sur quoi? Et voilà. Donc, on a acheté notre Zlatan pour la fin de cette série. On a réussi. On a fini cette série. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on a Zlatan. On va pouvoir jouer avec. Donc je vais vous préparer une petite vidéo spéciale avec Zlatan aussi. Donc je voulais dire, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Essayez de, voilà, j'aimerais bien atteindre un objectif de 35 likes. N'hésitez pas, faites-moi plaisir les gars, atteignez ce premier objectif que j'ai fixé sur ma chaîne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a chopé Zlatan Ibrahimovic au bout du 5e épisode. On va pouvoir jouer avec, et c'est pour ça que je vous prépare quelques petites vidéos spéciales. On va aller tout de suite le placer dans ma Ligue 1. Il nous a coûté au final 110 000 crédits. Donc ce n'est pas rien non plus, mais bon, voilà, c'est très bien, je pense. C'est un bon prix pour ce Zlatan. N'hésitez pas les gars, donc allez liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à me dire dans les commentaires des idées de séries, puis à n'importe quoi, l'espace commentaire c'est fait pour ça. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était à 14, comme vous pouvez le voir, le Zlatan va aller venir dans notre équipe de Ligue 1, et donc c'est pour ça, Win the D1, ça va être le feu avec Ibrahimovic, on va jouer avec les gars, la Sina sera sur le banc. Mais c'est pas grave, on a Zlatan. J'espère que ça vous a plu. C'était à 14 pour vous les amis. Bye tout le monde les gens.